on a une annonce à vous faire. On repart en NBA. Yeah. Et pour la première fois dans l'histoire des barges de Dunker, à Salt Lake City, à New York, Chicago, Bulls. Direction Toronto. Alors là, on vient tout juste de partir de la maison. Direction Paris dans un premier temps. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez l'aventure, évidemment, qu'on vous emmène dans nos valises. Oh, c'est bizarre. Hello. What's up, boy? Léo, mesdames et messieurs, Bad Lion est avec nous également parce que nous régaler avec des photographies de qualité, on espère. Des petits pains chocs. Ah, allez. On est arrivé à Toronto, on sort tout juste de l'aéroport, on est dans le train pour aller dans le downtown de Toronto. On a énormément de matos, regardez un peu tout ça. Le but du jeu, ça va être de transporter, bon, on a à peu près entre 500 et 900 mètres pour aller jusqu'à l'appart où on loge, donc normalement ça devrait le faire, mais ça risque d'être un petit peu sportif. On vient d'arriver dans notre appart de Toronto. On prendra le temps de vous faire la visite. Hein. C'est plutôt cool, c'est plutôt sweet. Là, on est en train de déballer tous les bagages parce qu'il va absolument falloir monter les trampolines. Et plus tôt les trampolines seront montées, mieux ce sera. Donc, on va monter les trampolines. Je pense que vous allez voir un magnifique montage de nous en train de monter les trampolines. On en a trois au total, on en a pour une bonne heure et puis bah, let's go, c'est parti. Une fois que ce sera fait, après on va manger et on va se régaler. Ça y est, les trampolines sont montées, là on part manger un bout. Et on va se coucher parce que là on est tous très fatigués. Une bonne nuit de sommeil pour être à fond demain. Ciao. Jojo, Jojo. Ah bonjour Jojo. C'est pas ça que tu as fait ? Non. Alors là Sergueï, on est en train de se préparer à affronter le froid parce qu'il fait ressenti moins 25 dehors, donc on va cailler, voilà. Et après on va quand même faire une petite radio locale, c'est sympa. On est pas si local que ça, hein. Ah ouais, okay. Non, non, c'est pas si local que ça, hein. C'est plus justement, je dirais, national.
Et c'est axé sur les Raptors, c'est une émission en français. Parce que si je ne dis pas de bêtises, vous me corrigerez. Le Canada a deux langues officielles, l'anglais et le français, via les Québécois. Alors là, on est tout simplement dans les studios. Écoutez-moi bien, c'est énorme. On est dans les studios de Radio-Canada. Il y a une émission qui passe tous les matins avec Nicolas Haddad. Ça s'appelle « Il n'y a pas deux matins pareils ». Et du coup, on va être interviewé par Nicolas, l'animateur de cette émission, en français. Et ça va être fou, en fait, c'est trop bien. Un peu de stress quand même. Ce soir ou demain soir pour le match contre les Bulls, il y a une belle surprise qui vous attend, le basketball acrobatique des Barjo Dunkers. Ouais, tu veux parler du 720 peut-être ? Oui. Ah, on spoil un peu quoi, on spoil le spectacle, mais ouais, normalement, si tout se passe bien, si le public répond bien, il y aura des grosses figures, notamment du 720. C'est vraiment trop cool. Et vraiment, genre, ces gens-là, ils sont trop gentils quoi. Ouais, c'est vrai. Vraiment quoi. Très bienveillant. C'est une grosse radio, enfin je pense que ça se voit juste à la taille des locaux, tu vois. Mais genre d'une gentillesse. Ça me donne envie de revenir. Ouais, carrément. Mmh. Bah on y retournera demain. Mmh. La productrice, elle a dit c'était bon. Donc si c'était bon, bah c'était bon quoi. Ah oh, putain, cuisinier à mes heures perdues. T'as pris froid dans la fin. On part de l'hôtel, on va faire la répète. Scène de basket de Toronto. Et répète à 15h30. On va changer rapidement l'aide. On répète jusqu'à 16h. Yeah, some of the best albums of all time. If I was you, I'd download Bill for Cuban links. Group home, living proof is deeper than you think. E40 dropped in a major way. Made up his own words, that's why we all say it's all good. A nine had nine lies. What you want, nine fat beats? Yo les gars, vous m'avez pas beaucoup vu depuis qu'on est parti, parce que je suis malade comme un chien. Et là, ça va un peu mieux. J'espère que ça va le faire pour les répéter prochaines histoires. C'est un bon échauffement, et en plus d'être un bon échauffement, ça réchauffe, et à moins 10 c'est cool. Ah celle-là, on a juste rentré les trempeaux, j'ai bientôt découvert que la première fois, Marc et Olivier étaient frères. Et tu t'imagines ça comment? Huge. You understand the huge? No, I don't understand. C'est-à-dire grand, mais encore plus grand que grand. C'est grand, grand, grand. My hairstyle was the blue gel with the curtains. They call me Fat Boy from Def Jam. It was funny. I had the tape of Lost Boys, legal drug money. With the image of the same guy, beds of the same flock, with the same dog, take just chains off. This ain't drugs, this is plain crops. I'ma quit this shit, get a paint job. I'ma spit this shit when I make songs. I scribble, and my name is Scribble. I go insane when I scribble. I give a name to a riddle. It's Biggie and Pac, then I came in the middle. I'm still getting the same props. I'm still expressing the same thoughts. I'm still a poet with the same props. I paint shots, I'm still chasing this paper. I'm still trapping with a flavor. Same talk on the same block, same spot with the same cop. 5 liter of the same pot. I'm trying to ring her out of jail, bruh. I'm trying to ring her out of jail, bruh. I'm trying to ring her out of jail, bruh.
Dunkers, dunkeuses, nous y sommes. Ça y est, le Canada nous a ouvert ses magnifiques portes. Nous sommes dans une franchise exceptionnelle qui a gagné les championnats NBA en 2019. Nous sommes dans l'antre du Raptor. Nous sommes à Toronto. Ça y est, on est rendu à l'appartement, on vient de sortir de cette magnifique salle des Toronto Raptors. On l'a fait, c'était fou, chaud LED, trois trempeaux, bang, bang, bang. Bang, 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 bang. Oh, yes sir, yes sir. Oh, yes sir. Bien joué. Mon petit Hugo, bien joué. Yes, match, du match. Donc là, si vous avez bien suivi un petit peu les news et ce qu'on a pu vous annoncer sur les réseaux sociaux, l'aventure n'est pas terminée. Demain, on enchaîne avec un autre game des Raptors, un autre spectacle. Raptors c'est... contre Chicago Bulls. Chicago. Exactement. Chicago. Il m'a mis la pression, mais j'étais pas sûr. On va. Qui voilà. A gagné ce soir, Marc? Bah, devinez. Et voilà, on était là, les Raptors ont gagné. Mes pattes de lapin. Pensez-y les autres franchises là, ouais, cette vidéo. Si vous voulez gagner, si vous avez un match décisif à faire, appelez-nous. Demain, nouveau jour, nouveau show. En tout cas, des bisous, vous connaissez la chanson. On vous met dans notre petite poche et on vous amène dans les coulisses. À demain. Top it. Ciao. Salut Dunker et Dunkers, jour numéro 3. Coucou. Et petite confidence, il fait que moins 3 degrés et c'est vachement agréable en fait. Bizarrement, c'est bizarre à dire mais c'est la vérité. Donc là on part direction la salle parce qu'évidemment ce soir on a un match, on anime un intercartant entre les Toronto Raptors versus les Chicago Bulls. Bah écoutez, aujourd'hui c'était vraiment plutôt détente, hein. En vrai il s'est pas passé grand chose. On a voulu se reposer, accumuler un maximum de repos, d'énergie pour tout donner ce soir. On est allé au jacuzzi. On a visité un petit peu la résidence de notre appart. Quentin nous a fait un super rougail saucisse. Et je pense que c'est à peu près tout. Hein. J'ai pas énormément de choses à raconter sinon. Allez, yo les dunkers, yo les dunkeuses, on sort de la répète, ça s'est plutôt bien passé, on a préparé un show, je pense qu'il n'y a pas plus inédit que ça, on espère qu'on va vous régaler et on se voit tout à l'heure pour le match. Yeah.
Yo les dunkers, yo les dunkeuses. Bon, ce matin, on s'est remis tranquillement de nos émotions d'hier. On a profité aussi pour démonter les trempeaux. Il y en a un peu partout dans l'appart. Vous commencez à avoir l'habitude de ces beaux paquets orange. Cet après-midi, on a prévu de se balader un peu dans Toronto pour continuer la petite visite. Et oui, je suis de retour à la caméra. Mais c'est qu'en fait, j'étais tellement malade que j'étais transparent. Donc, vous ne pouviez pas me voir, tout simplement. Donc voilà, on vous emmène avec nous aujourd'hui. Des bisous. Je pense que Marc il va tomber. Il y a Hugo, Quentin. Jojo il est pas tombé encore? Non. Bon allez, let's go. Passez une super journée, vous allez pouvoir le voir évidemment dans ce vlog. On a fait de la patinoire, on est allé à droite, on est allé à gauche, c'était vraiment cool. Et sur la fin de cet après-midi, on a eu la chance d'avoir une superbe guide touristique, Fringito, qui est avec nous. Je leur ai fait découvrir la ville avec une belle météo, comme vous pouvez voir. Bien équipé encore, on a nos mains, franchement. Ça, c'est mieux. Voilà, j'allais dire, c'est courageux parce qu'il fait moins de 19. Vous reviendrez en été? Ouais, on aimerait bien revenir en été. Mais c'est une ville magnifique, franchement, à part le froid. Et encore, je pense que c'est cool parce que ça donne un petit côté local. Oui. Mais on a vraiment kiffé. Merci beaucoup en tout cas, parce qu'on a pu visiter la ville, l'avoir d'une nouvelle facette. Et c'est toujours très, 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 très cool. Bah, après presque 10 ans ici, je me dis que si tu peux servir de guide aux Français, aux talentueux Français qui viennent nous rendre visite, c'est... Ouais, carrément, c'est carrément cool. En tout cas, Fringito, je pense que Sergueï mettra dans la description tout ce qu'il faut concernant Fringito. Et n'hésitez pas à la suivre si jamais vous avez envie que ce soit partir en voyage ou même vivre au Canada. Il y a des super conseils qu'elle vous donne, elle est super disponible et il faut vraiment pas hésiter. Voilà, en tout cas, moi j'ai passé un très très bon moment. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à leur chaîne. Oui, bisous. Salut tout le monde, je suis dans l'ascenseur, je suis serré de haut. On est serré. C'était pour vous dire que c'était le jour 5. Et que je vais le refaire parce que ça va être nul. Après avoir bien kiffé la patinoire hier soir, on part au musée d'histoire naturelle. On vous montrera des petites vidéos, tout ça. On fait des bisous. Ciao. We'll be right back.
c'est Léo, le photographe du voyage. Donc là, petit récap, on a mangé, on s'est reposé, on a fait un petit trou de cul, c'est un jeu de cartes quoi, c'est pas autre chose. Et on se dirige tout droit vers une activité assez sympa qui est la luge. Donc on va voir qui est le meilleur à ce sport et attention aux chutes les gars. On devait faire de la luge. Regarde-moi ça. Il y a de la super quoi avec peur. Ça. Eh ben on sait pas. On ne peut pas le faire. Quoi? La luge. Alors on a tenté une excursion en luge, sauf que le problème c'est qu'il n'y a pas de neige. Donc on a juste vu une dune avec 2-3 arbres. Échec aujourd'hui, on voulait aller faire de la luge, sauf que bah il y avait pas de neige, donc on a fait. Oh, il y a les atouts, on est en train de jouer aux cartes du coup, on est rentré, on attend 19h pour aller voir le match dans un bar parce que pour une fois, c'est diffusé à des heures décentes que nous pouvons suivre. Et puis c'est Welby contre Bilal Koulibaly, le meilleur Frenchie de cette année, donc on a un peu hâte de voir ça quoi. Salut les dunkers et dunkeuses. C'est notre dernier jour ici, on est dans l'aéroport de Toronto. Hier, on était tranquille, on s'est fait une petite soirée UFC. D'ailleurs, ça se passait à 200 mètres de là où on regardait parce que c'était à Toronto la soirée UFC hier. Et on a déplacé tous nos bagages que vous connaissez, les magnifiques bagages orange où il y a les trampolines de rangée dedans. On les a déplacés jusqu'à l'aéroport. Là, on a beaucoup d'attentes, mais c'est cool, hein. On est super heureux d'avoir vécu ce moment-là. Bon, je dois être un petit peu fatigué, ça doit se voir sur mon visage, les gars aussi. On va rentrer et surtout, on va vite enchaîner parce que le mois de janvier est loin d'être terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous en voulez toujours plus parce qu'on va vous en donner toujours plus. Et puis, j'ai pas grand-chose à rajouter à part que j'ai une super polaire tribord. Voilà. Bisous. Jojo. Ah bonjour Jojo. C'est pas ça que tu fais? Non. Jojo. Ah bonjour Jojo. 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 Jojo.